Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas encore faite. Il s'agit de vous présenter mes coups de cœur du moment. Alors, en effet, on peut préférer des LPS vraiment tout le temps. Enfin, je veux dire, on a forcément quelques favoris quand même parmi notre collection, mais quand même avouez que par moment vous avez plus un coup de cœur pour un autre et ça peut changer de jour en jour. Et en ce moment j'avais envie de vous présenter quelques LPS que j'avais un petit peu redécouvert dans ma collection et qui sont des véritables coups de cœur en ce moment pour moi. Bon alors déjà je voulais commencer par ce collet qui est un collet qui est vraiment hyper joli que j'ai eu il y a quand même quelques mois maintenant et vraiment c'est vraiment révélé un coup de cœur pour moi. Je l'ai redécouvert il y a quelques temps encore dans le sens où quand je regarde ma collection des fois je me dis ah putain celui-là est vraiment vraiment beau, bah j'adore ses détails et tout ça et franchement je pense qu'il serait dans mon top 20 le jour où j'en referais un. Je l'avais appelé Niska en référence à un personnage d'une série. Après nous avons celui-ci qui est un chat postcard que vous avez vu dans mon dernier haul. Il s'agit d'un chat déjà qui est en très bon état et un chat qui est assez recherché et tout le monde l'adore. C'est vrai qu'il est magnifique, enfin après j'imagine qu'il y a des gens qui l'aiment moins, mais depuis que je l'ai, je suis hyper contente. Pareil, je pense que je le mettrai dans mon top 20. Après, un LPS qui change carrément. J'avoue que je les trouve toutes très belles et je sais pas, je les ai revues comme ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus belles que les autres. Enfin, moi, personnellement, c'est celle que je préfère parmi toutes les tortues. Et celle-ci en particulier, je la trouve hyper jolie. Elle a des couleurs qui sont pas communes du tout. Et surtout, c'est ce mélange-là de orange, jaune, de vert, etc. que je trouve hyper jolie. Enfin, je trouve que ça fait vraiment plage, hyper été en fait, hyper estival. Et je trouve ça vraiment super joli. Donc en ce moment, ouais, je l'adore celle-ci. Je vous avais fait une photo sur Instagram il y a hyper longtemps maintenant. Ensuite, celui-ci, c'est le seul G5 que je vais montrer dans mes coups de cœur du moment. Alors j'aime beaucoup aussi le danois G5 que je vous ai présenté dans une vidéo très récente, All My LPS Dog Argentin. Mais celui-ci, ça reste quand même un peu mon favori G5 en ce moment. Et je le trouve tellement adorable, franchement, je le trouve vraiment hyper mignon. Il a un petit cœur sur le ventre et je trouve ça super joli. Il en existe quelques-uns d'autres de cette forme et je pense que c'est quand même celui-ci que je préférerais même si je les avais tous. Ensuite, depuis que j'ai racheté deux chouettes, enfin non, j'en ai commandé une que vous n'avez pas encore vue, mais j'ai acheté une chouette que vous avez pu voir dans mon retour de brocante. Enfin, elles sont vraiment hyper jolies, hyper bien dessinées, hyper réalistes aussi. Et celle-ci, c'est vrai que c'est une de mes préférées dans les chouettes. Et j'en ai commandé une qui lui ressemble énormément, qui va être dans mon top 20, c'est sûr. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un petit lapin de garenne que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant. J'adore vraiment. C'est, je pense, mon LPS lapin de garenne préféré maintenant. Je voulais aussi remercier Sushi LPS Star qui m'a fait une petite pub l'autre jour et qui m'a apporté quelques abonnés, donc je suis très contente et je ne m'y attendais pas. Donc je la remercie. Au passage, vous pouvez aller voir sa chaîne que je mets juste en haut à droite ici. Et voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous. Ensuite, il en reste que 4. J'étais obligée de mettre celui-ci. C'est l'ornithorynque que je voulais vraiment, vraiment. Et je le trouve tellement adorable. Donc voilà, franchement, j'adore ce LPS en ce moment. Et depuis que je l'ai, pareil, c'est vraiment mon coup de cœur, en tout cas, de mon haul dernier, ça c'est sûr. Donc forcément, je pouvais que le mettre ici. Et d'ailleurs, j'ai commandé l'autre ornithorynque mauve qui existe et que je vais recevoir cette semaine. Après, il y a ce poisson-là qui est un véritable coup de cœur aussi pour moi en ce moment, tout simplement parce que c'est une forme que je n'avais pas avant et depuis que je l'ai, pareil, je trouve que ce sont des poissons qui sont hyper beaux. Tous les autres sont magnifiques également. Et les deux derniers, donc notamment ce petit Bernard l'ermite. Alors tout simplement, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un de mes favoris en ce moment, mais ces couleurs-là, elles me font vraiment penser à quelque chose de tellement doux. Ce sont que des couleurs pastel. Et le tout dernier, c'est ce pivert. Je ne pouvais pas passer à côté de ce pivert-là. Enfin, je veux dire, c'est évident, je l'adore. En vrai, il est plus pâle que ça, mais je le trouve tellement beau. Il est magnifique, franchement, je l'adore. Et pareil, ce sont des oiseaux que je trouve super jolis, ils sont tous très beaux. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce concept si vous avez aimé. Et puis bah je trouve que c'est sympa de dire un peu les favoris du moment, même si c'est pas nos favoris de longue date, parce que vous savez bien que j'ai des favoris bien appropriés et que je n'aurais pas mis ici parce que c'est pas les coups de cœur du moment. Mais du coup oui, j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez pu voir un peu plus de LPS, ça se trouve que vous ne connaissiez pas. Et donc n'hésitez pas vous aussi à me dire quel LPS vous
vous adorez en ce moment et que vous vraiment que vous aimez beaucoup. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!